Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon dernier vlog en Asie. Je pars aujourd'hui, j'ai mon avion ce soir. Là on est le matin, il est 10h à peu près. Enfin il est plus tard, en gros je vous explique. Il est 10h21 exactement. J'ai un avion à 15h à l'aéroport de Kuala Lumpur. Je suis actuellement du coup à Kuala Lumpur pour aller à Singapour prendre mon avion pour la France. Pour Singapour ça va, j'ai le temps, mon avion. Et ce soir je vais maquiller un peu avec vous en même temps, parce que je suis hyper en retard, je vais vous expliquer. Pour Singapour ça va, mon avion il est à 22h ce soir, enfin franchement ça va, j'ai le temps. Pour prévoir hyper large, j'avais prévu de me lever à 9h et je me suis levée à 10h, donc il y a 20 minutes. Donc je me suis levée en retard, à la base j'avais prévu que tout soit prêt pour 10h et pour vraiment prendre mon temps, être tranquille, pas stressée. Le truc c'est qu'en Asie, franchement sur la route on sait jamais, donc je préférais y aller vraiment en avance, quitte à arriver 3h avant, je m'en fiche. Je vais faire mes sourcils et je reviens. C'est bon, j'ai fait mes sourcils. En gros, je sais plus ce que je disais, mais en gros si vous voulez, je suis en retard parce que je me suis pas levée, mais j'avais prévu tellement large que je suis pas vraiment en retard. Bon, je vous reprends après parce que ma caméra là ne veut pas coopérer et ça me met en retard, donc je vous reprends quand j'ai fini de me maquiller et de me préparer. Ok, c'est bon, je suis prête, il est à peu près 11h, oh là là, je suis partie une heure en retard, mais j'avais vraiment prévu d'arriver 3h avant l'aéroport, donc je suis encore dans les temps, mais je déteste être en retard, surtout pour aller à l'aéroport, donc je préfère vraiment 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 être au moins 2h avant. En plus j'ai une valise en soute, donc faut quand même que j'arrive tôt. Bref, je vais y aller. J'ai encore mon truc du roller hier. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, il était tellement cool, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'y vais, je m'en vais. Je suis trop triste. J'appelle mon Uber, enfin mon Grab, et on y va. Au revoir à cette petite chambre qui en vrai était vraiment vraiment cool. Pour 13€ la nuit, franchement on peut pas demander plus que ça. Trop trop cool. Et cette petite vue, oh là là, je suis trop triste. Hier on a passé littéralement toute la journée dans ce centre commercial là-bas. Vraiment c'était trop bien. À l'aéroport, le trajet franchement c'était rapide, donc au final je suis pas du tout en retard, mais je vais quand même aller poser ma valise au plus vite, comme ça au moins c'est fait. Bon, j'aurais même pu ramener quelques kilos en plus. Regardez, je suis dans l'aéroport et il est hyper cool, il y a une forêt et tout, c'est trop bien. Et là je cherche activement à manger parce que j'en peux plus, j'ai trop faim. J'aimerais bien manger un truc chaud, enfin dans un resto, donc je vais monter à l'étage des restaurants. Il y a un truc que j'avais hyper envie de goûter en Malaisie et que j'avais pas pu goûter, c'est le laksa. C'est une soupe locale qui est juste en bas. Et du coup, bah, j'ai vu ce resto où elle coûte littéralement 4€ dans l'aéroport. Donc je vais y aller en espérant qu'il y ait une petite place pour moi. Et j'ai mon embarquement dans pile une heure, donc je pense qu'on est pas mal. C'est bon, je suis installée, je vais un peu regarder ce que je veux. Je crois que je vais pas prendre un laksa. J'ai peur que ça pique trop. En fait, quand on était au Canada, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit que c'était son plat préféré au monde. Du coup, ça m'a donné envie de goûter. Et comme je savais que c'était de Malaisie, je me suis dit que j'allais goûter en Malaisie. Le problème, c'est que je sais pas à quel point ça pique. Et hier, j'ai pris un plat qui piquait trop. Et du coup, bah, je vais pas faire la même erreur. Et je vais prendre autre chose. C'est pas étonnant, j'ai pris du riz frit. C'est un plat d'ici que j'aime tellement. Et comme ça au moins j'en prends un. Pour la dernière fois, il y aura peut-être du laksa à Singapour, je sais pas, on verra. En tout cas je suis contente quand même d'avoir pris ça, parce que ça me fait manger ça une dernière fois. Je surkiffe, vraiment. Je pourrais manger ça à tous les repas de ma vie. Mais en vrai le cadre est vraiment pas mal. Regardez le petit resto, franchement c'est trop cool. J'ai payé mon plat je crois même pas 4€. Donc trop génial. Franchement dans un restaurant, dans un aéroport, mais c'est inimaginable en France. C'est bon, j'ai mon plat, regardez, ça donne hyper envie, j'ai trop hâte de manger. C'est du riz avec de la sauce soja, mais je sais pas exactement pourquoi ils appellent ça riz frit. Bon appétit. J'ai trop faim. C'est un délice. Je suis trop contente d'avoir pris ça. J'ai jamais mangé des crevettes comme ça, c'est trop bon. J'ai mon embarquement dans 30 minutes. Il faut que j'aille absolument acheter un magnète avant. Bref,
je mange, je me tais et on se retrouve après. Bon, c'était bon, mais maintenant j'en peux plus, je vais exploser. Donc voilà, je vais partir puisque mon embarquement est dans 20 minutes. Je suis au magasin de souvenirs et j'avais pas vu les magnets, je me disais mais ils sont trop moches et tout. Et en fait il y en a des un peu plus chers qui sont dans des paquets et ils sont beaucoup plus beaux, donc je vais voir un peu ce que je peux prendre. C'est bon, j'en ai trouvé un qui est pas mal. J'ai mon magnet et ça c'est trop cool. Au final j'ai pris un autre, j'ai pris un carré, voilà. Je suis arrivée à Singapour. J'ai un problème, ma valise elle sent mon parfum à la pêche super fort. Donc je sais que littéralement il s'est explosé dedans, je suis dégoûtée. Ok, maintenant on peut y aller. Bon là je suis au terminal 3 avec mon avion, je suis arrivée au terminal 3. Ce que je vais faire en premier avant de faire les activités, je pense, je vais aller au terminal 1 poser ma valise, comme ça au moins bah elle m'encombrera pas, parce que faire toutes les activités avec la valise, c'est vrai que c'est pas hyper amusant. Donc on va aller la poser. Je vous parle, vous êtes sur mon chariot, donc je bouge en même temps. J'ai pas pensé à un truc, c'est que là je vais au terminal 1 poser ma valise et tout, c'est cool. Sauf que mon vol il est à 22h ce soir. À mon avis je peux pas poser ma valise maintenant, mais je vais aller voir parce que je sais pas exactement combien d'heures avancer. Au lieu de se prendre la tête, je vous propose qu'on aille essayer, on va aller voir. À mon avis je peux pas la poser maintenant, mais on sait jamais. Bon, je suis allée à l'endroit où je pouvais poser ma valise et il y a marqué check-in plus tôt. Jewel, c'est où il y a toutes les activités à faire, donc c'est pas plus mal. De midi à 20h, il doit être quelque chose genre 17h, donc on y va. Regardez, moi je le vois de loin, mais je pense que vous pouvez pas le voir parce que en vidéo on voit pas bien. Mais juste en face de nous, il y a l'énorme cascade, la fameuse, qui est super connue dans cet aéroport. C'est trop cool, j'adore. Je vais vous montrer. En fait, je pensais qu'elle était juste là parce qu'elle est tellement énorme qu'on a vraiment l'impression qu'elle est juste en face de nous alors qu'elle est loin en fait. Je vous emmène avant, je vais essayer d'aller poser ma valise. Vous devez peut-être entendre beaucoup de bruit autour de moi, c'est parce que regardez où je suis. Je suis à cette énorme cascade, c'est trop beau. Elle fait 40 mètres de haut, c'est hyper impressionnant. Je vais vous expliquer un peu du coup ce qu'il en est par rapport à ma valise. Là avec moi je n'ai plus que mon tote bag. C'est pas mal quand même pour me promener pendant 3-4 heures avant mon vol. En gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ma valise dans une consigne. Il y avait un early check-in qui était possible, mais le problème c'est que comme je suis en billet non réservé, je peux pas avoir accès au early check-in. Moi je pouvais juste payer une consigne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé une consigne jusqu'à 20h. Je vais chercher ma valise quand je veux et ensuite j'irai embarquer, enfin m'enregistrer, passer la police et tout. Mais au moins pour le moment j'ai plus que mon tote bag et c'est pas mal, ça va permettre de me promener un peu parce que franchement avec la valise c'est pas possible, tu fais rien, et j'ai vraiment envie de profiter dans l'aéroport. Je vous propose que je mange un truc parce que j'ai faim. Je vais goûter ces petits trucs Hello Panda parce qu'on en voit partout et j'ai toujours pas goûté. Comme ça aussi si c'est excellent, bah j'irai en acheter avant de partir. Franchement c'est vraiment vraiment cool. Je savais pas, mais les activités dans l'aéroport du coup de Singapour sont toutes payantes. Donc il y a plusieurs trucs, il y a le pont suspendu que je vous ai montré, mais je suis même pas sûre de le faire tellement j'ai peur du vide, donc je vais pas payer pour le faire. Il y a un labyrinthe aussi, enfin il y a plein de trucs. Le truc qui a l'air vraiment cool, c'est le Canopy Park, donc je pense que je vais prendre ça. Et voilà, donc là je me dirige vers le Canopy Park. J'ai pas exactement compris ce que c'était, mais on va découvrir ça ensemble. Thank you.
Oh non mais c'est un truc de fou. C'est des toboggans mais oh mais j'ai le vertige là. J'ai le vertige de ouf. Je vais atterrir où si je vais là? Je vais faire le toboggan, j'ai peur de ouf. Oh mon dieu, c'est parti. Je me suis fait trop mal. Ok, je vais le refaire une deuxième fois, mais cette fois je vais filmer avec mon téléphone. Bon, je vais pas vous mentir, je commence à avoir un coup de barre. Franchement, je commence à être fatiguée. En fait, au début, j'ai commencé à me poser, voilà, ici. Il est déjà 19h et je me dis que bah j'ai autre chose à faire que de rester là, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au food court et je pense que je vais me prendre un truc à boire, genre un coca ou un bubble tea, un truc comme ça. Regardez le coucher de soleil. On voit hyper mal en vidéo, mais le soleil, il est hyper orange. Regardez, j'adore, c'est trop mignon. Ou comment te faire dépenser de l'argent que t'as pas en illimité. Non mais c'est un truc de fou, c'est trop mignon. Faut pas que je commence, sinon je m'arrête jamais. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça, je vais prendre une barbe à papa dans la machine. Parce que en gros, au centre commercial où j'étais à Singapour, j'habitais juste à côté, il y avait ça, j'avais dit qu'il fallait absolument que j'essaye et je l'ai jamais fait. Donc je vais essayer, j'ai trop hâte. Regardez, il y en a tellement. Oh par contre c'est cher. C'est pas grave, je veux trop essayer. Je vais prendre elle. Voilà. Waouh, regardez ça. C'est incroyable. Est-ce que ça va vraiment faire une barbe à papa en cœur? C'est comme ça que ça fait le cœur, je crois. C'est trop bizarre. Waouh. Waouh, ça sent hyper bon. C'est hyper mignon, j'adore. C'est hyper mignon, je suis trop contente d'avoir goûté parce que je voulais absolument goûter et j'avais pas goûté. Bref. C'est l'heure. Oh là là, c'est hyper mignon, je suis en train de la casser, je suis trop triste. Ah non, elle est horrible. Oh, elle est pas bonne. Alors là, il y a un truc chiant. J'ai plus de batterie sur ma caméra, sauf que l'autre, elle est dans mon sac. Oh non, je suis dégoûtée, mon autre sac, il est dans ma valise. Bon bah, c'est méga triste. Mais alors, vraiment méga triste. Mais je vais devoir couper, enfin, ça va couper automatiquement. Et je vous retrouve quand j'ai ma valise. Oh, c'est super triste. S'il se passe des trucs de fou, je vous filmerai avec mon téléphone. Et si c'est pas très intéressant, bah on se retrouve tout à l'heure. Oh non, je suis trop triste. J'y ai pensé après et je me suis dit, mais je suis trop bête de pas l'avoir pris. Je vais manger ma barbe à papa, qui est pas hyper bonne d'ailleurs. Elle est hyper chimique. Bon, au final, rien de bien intéressant. J'ai juste été manger à A&W. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Bon les amis, je vous reprends que maintenant. Depuis tout à l'heure, j'avais pas de batterie. J'ai repris ma valise il y a pas longtemps et après j'étais un peu pressée parce que en fait je m'y suis prise trop tard. Franchement, cet aéroport, il peut vraiment faire louper des avions. C'est un truc de malade. Il était trop bien. Je pense que je vous ferai peut-être un débrief en rentrant demain, je sais pas. En tout cas, c'est ici que je vais vous laisser pour aujourd'hui, du moins avec ma voix parce que je vais pas parler dans l'avion. Je déteste quand on rentre en France et que avant le vol on entend parler français. À chaque fois ça me fout le cafard, je sais pas, ça. J'ai mis mon petit pyjama, je me suis changée, comme ça je serai mieux dans l'avion. C'est l'heure d'embarquer et je vais pas gêner tout le monde en parlant pendant le vol. J'espère que je vais faire un max de montage et je vous filmerai quelques images, mais je pourrai plus parler. En tout cas, c'était tellement cool aujourd'hui. J'ai passé une après-midi entière dans l'aéroport et c'était trop cool. Je vais embarquer en dernière comme d'habitude, mais là c'est vrai que je commence à être vraiment en retard. J'ai adoré l'Asie du Sud et j'espère être de retour en Asie bientôt. Franchement, j'espère vraiment. Ah, j'aimerais trop. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On sait jamais. Il y a l'avion juste en face de moi, ça me fout le cafard. J'ai pas envie, je suis trop bien ici. Voilà, petit avion du jour. Oh là là, j'ai envie de rester là. Voilà, de retour à Paris. Je suis trop triste. En vrai, quand je suis arrivée ce matin, j'avais vraiment le seum. J'étais dégoûtée. Mais bon, il faut bien revenir un jour. Et j'aime pas la phrase « Toutes les bonnes choses ont une fin ».
je suis contre cette phrase chez mon copain qui est ici présent, et en vrai ça fait plaisir de se retrouver quand même. Mais voilà, sinon j'étais bien en Asie, j'avoue que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. J'espère que vous m'y reverrez bientôt. Voilà, je dis ça comme ça, il y a rien de prévu encore, mais franchement j'aimerais vraiment 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 y retourner. Cette fois je fais pas la vidéo plusieurs jours plus tard, je suis rentrée à 6h ce matin. Là il est, je sais pas, peut-être 20h, donc je vous reprends ce soir, mais au moins je vous reprends le jour même, c'est pas toujours le cas. À part ça, ce voyage m'a trop plu et j'étais tellement contente de faire tous ces vlogs. J'ai vraiment découvert un tout nouveau truc, enfin c'était trop cool. En plus je suis hyper contente d'être allée aussi à Kuala Lumpur et pas d'être restée seulement à Singapour en Asie. Franchement c'était trop génial, je suis trop contente. J'ai eu la chance de faire du home sitting encore une fois, c'est génial. N'oubliez pas d'ailleurs, je passe par l'application Trusted House Sitters, voilà je vous pose ça là. Si jamais vous êtes intéressé, le lien pour s'inscrire est dans la description de ma vidéo. Avec ce lien vous avez moins 25% sur l'abonnement annuel, donc si vous prenez l'abonnement le moins cher ça fait que votre abonnement annuel passe à 90€. Donc franchement c'est super intéressant, moi j'ai payé 145 et je regrette tellement. Tellement pas. C'était mon meilleur investissement. On dirait que je suis en partenariat. J'ai pas encore assez d'abonnés. Donc c'est vraiment vraiment sincère. Perso cette application elle m'a refait mon année. Mais un truc de malade. J'aurais jamais imaginé voyager autant. Et clairement s'il n'y avait pas eu cette application je n'aurais pas pu. Parce que ça coûte extrêmement cher de voyager. D'ailleurs Marwa, la fille que j'ai rencontrée à New York et que j'ai rejoint à Singapour, si vous n'avez pas vu les vlogs voilà n'hésitez pas à aller voir. Comme je vous ai dit dans les vidéos, elle fait un tour du monde cette année. En ce moment elle est en Asie pour un bon moment. Et ben elle a pris l'abonnement Trusted House Sitters parce que c'est juste génial. En vrai c'est magique de pouvoir avoir des hébergements gratuits comme ça, c'est incroyable. Ça donne vraiment vraiment la possibilité de voyager plus facilement. Perso ça m'a changé mon année et ça m'a un peu changé ma vie parce que c'est un peu une année décisive, se dire ok je pars en voyage. Souvent je fais des vidéos un max pour essayer de faire grandir ma chaîne YouTube, voilà franchement je suis trop contente. C'est un voyage encore une fois comme tous les autres qui m'a fait grandir et qui m'a donné des étoiles plein les yeux et plein le cœur. Franchement j'ai trop aimé, que dire de plus. En tout cas c'était vraiment 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 génial. Et d'ailleurs je pose ça là, mais on repart avec mon copain cette fois dans un mois pile. On repart pour pas longtemps cette fois, il y aura je pense 3 vlogs seulement. Mais bon, il y aura 3 vlogs dans une destination ailleurs en vacances, voilà ça va être trop cool. En tout cas je tenais à vous dire, si vous avez un peu suivi cette aventure avec moi, franchement je vous en remercie. Ça fait trop plaisir comme ça de voilà partager son voyage avec des gens, c'est trop cool. J'espère pouvoir le refaire très très bientôt. J'adore le fait de faire des vidéos tous les jours, des petits vlogs de mes journées tous les jours. C'est un peu compliqué au niveau montage, je vous avoue j'ai pas encore fini le montage du vlog 2. Mais bon, je vous remercie d'être là. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'on s'arrête pas là. Même si on n'est plus en voyage, ben, je vais continuer de faire des vidéos, évidemment, même à Paris. Voilà, nouvelle vidéo très bientôt, évidemment. Merci encore d'avoir suivi cette aventure avec moi. Ça me fait trop plaisir. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !